Mesdames et messieurs, encore une fois, nous sommes bienvenus ou sous TV La Caille. C'est un plaisir pour nous rejoindre encore une fois pour une nouvelle vidéo sur le canal là. Nous profitons de remercier avant même nous et finir la vidéo. Tout ce là qui toujours continuer à supporter TV La Caille, si là qui pas de blague nous. Nous disons merci parce que vous faites confiance, merci parce que vous choisissez nous. Et nous même nous là tout, nous pas porter négligence, nous toujours là, nous chercher, nous bousquer tout côté information et pour nous porter pour fanatique nous. Après, la police est débarquée dans le local SPNH 17, là, mesdames et messieurs. Eh bien, je dis à la, il y a M. André Michel qui dit que c'est avocat peuple là. Et monsieur a décidé de frapper DGPNH là, qui c'est Léon Charles, très fort. Après, donc, il attaque ça. Et monsieur s'est monté, Léon Charles Papka, eh bien, intimidé, Léon Charles Papka fait au paix. Léon Charles Papka a mis un plume sous le dos en tant qu'avocat, il même là. Eh bien, pour défendre cause tout le monde. Que la police a fait répression sur que la police a emmerdé. D'après ça, André Michel fait qu'on est. Et puis, il y a Edmond Suplice Bozintou qui fait une déclaration contre le pouvoir en place là. Et PHTK, nous connaissons. Eh bien, Mounsao, c'est des gens qui font partie opposition et qui parlent dans la question danser collé avec la question PHTK. Même, et il y a divers autres militants encore dans l'opposition qui font des déclarations. Nous allons inviter sans perdre du temps à écouter André Michel et puis Edmond Suplice Bozil qui pral et bien corriger Kaye, donc président Jovenel Moïse avec DGPNH là Léon Charles qui te voyé la police à attaquer SPNH 17 ans dans le local côté où tu as bâillé une conférence de presse. Déclaration ça ou choquant, nous allons inviter autant de pas oublier, si vous abonner avec le canal là, pas hésiter à faire ça. Et si on a moyen, on va aider et la communauté nous et qu'on s'attend ou même, on va pas rater information. Songez à activer la cloche notification. C'est le cas permettre de recevoir toutes notifications chaque fois nous live ou bien nous poster une vidéo sur TV La Caille. Enjoy tout le monde, n'a tourné pour une prochaine. En contravention avec le peuple haïtien, mandat Jovenel Moïse fini, pas de négociation, pas de dialogue avec Jovenel Moïse. Jovenel Moïse doit quitter le palais national immédiatement. Pas de négociation sous constitution. Et n'importe qui qui fait, n'a combattu, n'a dénoncé. Deuxième bagaille, pour un jour pour la paix, n'a pas l'autorité morale et l'indépendance politique nécessaire pour conduire une telle entreprise. Pour un jour pour la paix, pas qu'à faire médiation. Pour un jour pour la paix, charger problème. Pour un jour pour la paix, pas jamais prendre position sur l'article 134-1 de la Constitution. Pour un jour pour la paix, pas jamais prendre position. Les ont massacré mon la saline. Les ont tué mon bel air, les ont tué mon cité soleil. Les ont assassiné le bâtonnier d'Orval. Pour un jour pour la paix, pas jamais prendre position. Évonie Auguste, qui c'est mon religion pour la paix. Ligue mon dans le conseil électoral là. Bonjour pour la paix fait partie de la crise. On ne peut pas être à la fois jugé parti. Bonjour pour la paix est disqualifié pour conduire une entreprise de discussion. Et puis autre chose. Le Monseigneur Père André Dumas, qui sait, à mon sens, je l'assume, seul monde a aujourd'hui pour la paix qui ont un minimum de crédibilité, bon, on va avoir la question de dialogue. Par contre, secteur démocratique là, ouais. Il faut qu'il y ait une discussion entre les différents acteurs de la vie nationale. Il faut qu'il y ait une discussion avec la société civile. Il faut qu'il y ait une discussion avec l'opposition. Et nous prêts pour nous discuter avec l'opposition, avec la société civile. Il faut discuter tout avec la communauté internationale là, parce que c'est eux pas nos journal. Jodèvois, ils sont restés avec lui. On a discuté avec la communauté internationale là. Parce que faut nous évacuer le journal le plus vite possible. Matin là, Jodèvois, pas loin là encore. Matin, on va aller avec le monde qui sont censés dans l'entourage, qui était capable même de dire avec le directeur cabinet, bon, le président désigné Joseph Michel Jean-Louis est au travail avec son équipe. Il y a travail sur une série de dossiers importants tels que comment conduire cette conférence nationale, comment rendre la justice fonctionnelle, parce que ça fait plus passer 2 ans que la justice haïtienne est dysfonctionnelle. L'équipe du président désigné Joseph Messer Jean-Louis travaille sur ce dossier important. Secteur démocratique et populaire solidaire avec SPN Haïti 7, nous sommes solidaires avec toute police. Parce que hier, d'abord en conférence de presse, nous avons la police débarquée devant le local, Yohana Bois-Bernard, pour intimider nos belles questions. Il y a 2 avocats qui étaient dans la conférence de presse là, M. Arnel Rémy avec M. Jean-Fritz Mani, qui était en difficulté. Et
on espérait que la Fédération des barreaux d'Haïti vivra la composition parce que on ne peut pas intimider un avocat dans l'exercice de sa profession. On espérait que la continue pour policier Anderson Gonaire jouer une libération le plus vite possible. Je l'ai dit déjà, Léon Charles, c'est le numéro 1 de la police nationale d'Haïti. Il a tout fait pour briser, pour casser, pour détruire la BNH. Sur cette affaire de médiation de religion pour la paix. Je veux dire, on nous dit sous question médiation de religion pour la paix. Voilà, c'est M. André Michel, secteur démocratique et populaire. Sous bon pas, c'est Nenel Kassi, dirigeant organisation, ça insiste sur nécessité qui gagne, il dit pour l'autre monde, dans divers autres secteurs de la vie nationale, la vie d'entrer dans la bataille contre le pouvoir PHTK Jovenel Moïse. Non, sénateur Niplan dénoncé la police, il dit qui est pas fait en insérieux contre l'insécurité, surtout Zak Kidnapping, non, qui a pas valé terrain, alors que gagne l'autre monde qui était bon côté, tant pour et Telon Romelus, présenté comme responsable organisation de base dans l'opposition, qui a insisté sur la nécessité de la population continuer mobilisation contre Jovenel Moïse. Et nous avons le sénateur Nenel Kassi à Romelus Telon dans la conférence pour la presse. Côté Joubert Joseph, tu es présent pour Radio Kiskeya. Je dis à l'important pour nous sympathiser nous avec les gens qui sont victimes d'inondations, par exemple, dans le Nord. Pas de rien qui fait dans le pays. Institution crassée. Pays a tombé sous la grabat. Regardez la capitale, regardez l'image capitale. Mais vous crassez le pays. Vous crassez l'espoir de la jeunesse. Vous fini avec Haïti debout. Côté la police, je dis à y a kidnappé les gens partout. Son seul bagage qui est d'accord, c'est les gens qui prennent l'économie à payer kidnappé. Pour qui c'est la police, pas jamais faire aucune intervention pour libérer un otage. Ça veut dire. Ça veut dire que vous pour moi-même institutionnaliser le kidnapping. Depuis le kidnapping, vous dégagez, vous cherchez comme pour libérer tout. Mais qui c'est la police Haïti, le peuple qui a payé là. Je dis à l'important pour tout le monde connaît. Les Jovenel t'a parlé de folie, monter l'armée. Pour qui ça t'a parlé? Pour qui ça mouton l'armée pour battre? Et puis c'est militaire après pour mettre la tête la police. Ça va faire. Vous êtes militaire de l'armée pour battre. Parce que la police sont pas civils que bien. Et tout ça, vous venez dire, on prend le bagage pour nous. Il faut que nous tenions compte de ça. Et c'est dans ce sens, nous croyons qu'il est important pour de l'autre groupe en dans la société qui, ouais, à qui démocratique menacé pour rejoindre la bataille. La bataille peuple, la bataille de secteur démocratique, mais rejoindre la bataille peuple. Nous te comprenons, évêque, qui te sorti position et qui comprennent le mandat Jovenel fini. Mais, vous te senti, vous te timide toujours. Même quoi, après, message par là, vous devez te mettre dans la bataille. Et c'est dans ce sens, nous-mêmes, nous interpellons tout catholique qui est dans le secteur démocratique et tout le monde qui croit dans l'autorité par là pour engager dans la bataille pour libérer Haïti. C'est ça le dit dans le message. Nous saluons le courage. Toute force, soit dans l'ouest, dans le sud, dans le nord, dans le NIP, dans tout département pays, qui refusait tout avantage que le gouvernement corrompu a pour frio et pour venir gommer beaucoup de peuples. Bravo, messieurs. Toute base, qui a marché en bas de barbe policier pour le bureau de Matéli, Lamotte, Sophia, inculpé, bourré dans le corps police là, qui presque transformé en un corps gang, nous saluons. Mobilisation, son passage obligé, et c'est lui qui constitue son pays à Bani. Comme ZAM pour nous battre. C'est pas qu'on est, nous pas qu'on est ça pour nous faire. Nous traînons souvent sur terrain pour nous faire des frapper avec eux. Pour barons étrangers, nous sommes capables de moyens pour entrer dans le pays pour faire occupation. Mais grâce à Dieu, nous avons de grands dirigeants qui ont une vision qui va entrer dans la logique ça. Et nous choisissons pour nous utiliser sa mobilisation. Et nous demandons tout côté, tout le monde qui toujours à mobiliser pour nous décourager. Dernier, on entendait, c'est Rémulus Telon, et puis avant ça, sénateur Nenel Kassi, et puis avant, c'était Maître André Michel, conférence pour la presse secteur démocratique et populaire sous conjoncture politique. Non. Bon côté par Fusion, présidente en Fusion sociale démocrate haïtienne, ancienne sénatrice et bonne surprise Bozil, non conférence pour la presse pas cachée tête chargée sous situation pays à vivre qui vient compliquer chaque jour plus. Ça dit non conférence pour la presse sur banan local Fusion. Côté présidente Fusion sociale démocrate haïtien yo bay plusieurs aspects depuis 86 pays a pas jamais plongé la donne côté rivé journée jodi a
et d'après ça le dit, et quitte ces questions, et par exemple, quel respect pour la Constitution, quitte ces kidnappings qui ont poursuivi, massacre, gargote qui ont fait dans les ressources avec l'argent de l'État, et puis production nationale là qui a terre, président en fusion, profiter occasion ça pour encourager la population à lever, camper pour respect Constitution 87 ans. N'attendez Madame Edmond Supplice Bozil. Regardons Jovenel et dans ce pouvoir de deux mesures. En tout, le pouvoir qui a le plus desservi Haïti au lendemain de 1986 est celui géré par Jovenel Moïse. Les éléments constitutifs de ce jugement sont les suivants. Le pouvoir anti-constitution, donc contre l'État. Depuis le 20 janvier 2020, la démocratie par Jovenel Moïse est mise en veilleuse. La gestion de l'État par un seul homme conduit à la dictature. Au regard de la Constitution de 1987, en son article 134.2, le mandat de Jovenel Moïse prend fin sans discussion aucune le 7 février 2021. Deux mois après, il garde toujours le pouvoir en dehors de l'esprit de la loi mère. Jovenel Moïse est entré en rébellion contre les lois de la République. L'usurpateur de titre qu'il est enlève toute forme de légalité aux actes qu'il pose. Il met en péril la tranquillité de la nation. Deux, le pouvoir du kidnapping et des massacres. Pendant que le pouvoir, depuis son inauguration, n'a rien entrepris pour rétablir le pays sur les sentiers de la croissance et assurer aux familles haïtiennes un niveau de vie acceptable, ils préfèrent les exposer à un phénomène qui les anéantit économiquement aussi bien que moralement. C'est le kidnapping. Les chiffres qui en parlent sur une période de 3 ans donnent froid dans le dos. Plus de 3000. Les familles des kidnappés sont décapitalisées. La diaspora dans cette affaire paie le plus lourd tribut. À date, aucun kidnappeur n'est arrêté. 3. Le pouvoir du pillage des ressources de l'État. Le crime financier du siècle est l'œuvre de ce gouvernement. L'affaire de Petro-Caribe, quand on se fie au rapport dressé par la Cour supérieure des comptes, la corruption a pris toutes les formes. Entre autres, on a encore là le scandale du pillage de l'État au cours de la présidence de Jovenel Moïse, connu sous le nom de caravane de changement. 4. Le pouvoir de la destruction de la production nationale. La production nationale en 10 ans de règne de PHTK a totalement chuté. Il en résulte une augmentation des chiffres de l'importation et une faiblesse accrue de la monnaie nationale. En 10 ans, la gourde est passée de 60 pour 1 dollar en 2017 à 90 gourdes. Bon, on dit 90 gouttes, mais nous savons que ça peut aller jusqu'à 100 pour un dollar en 2021. Pour les citoyens et les citoyennes de la Saline, de Carrefour Feuille, de Bel Air, nous réclamons justice pour les cadavres des policiers restés au village de Dieu. Nous demandons action des responsables de l'État. Voilà, c'est dirigeante en fusion, ancienne sénatrice Edmond Supplice en Bozil. Conférence pour la presse qui baille dans le local Fusion, dans Krishwa, secrétaire général Fusion Social Démocrate haïtien ingénieur Rosemont Pradel, voyait jeter toute l'idée de dialogue avec Jovenel Moïse concernant démarche religion pour la paix. Et il dit par rapport à complexité situation ça, religion pour la paix pas gain rien, pas une capacité pour être capable poser problème ça et une solution. Et pour secrétaire général Fusion, démarche religion pour la paix, c'est une manœuvre pour casser mouvement mobilisation populaire. N'attend le secrétaire général Fusion, ingénieur Rosemont Pradel, toujours dans la même conférence pour la presse. Je dis là, si nous regardons l'état situation, M. Jovenel Moïse n'a pas aucun soutien de la population. Donc la bataille d'aujourd'hui, c'est plutôt une bataille envers nous-mêmes en diffusion des sociodémocrates. Donc nous dit comme nous n'avons pas recours aux armes, eh bien nous-mêmes n'avons fait l'arme de la dialectique. C'est dans ça que nous y là, c'est la bataille pour faire que l'international a changé de position par rapport à support que la baronnée qui fait un coup d'État. Pendant que même international là a couru derrière Maduro, il a couru derrière coup d'État qui fait en Birmanie, mais on est qui font coup d'État là en Haïti contre la population haïtienne et il a soutenu. Alors voici le sens de notre bataille. Maintenant nous croyons que religion pour la paix fait une démarche auprès des partis politiques, les différents partis politiques de l'opposition, et nous-mêmes, dans DIRPOL, qui c'est direction politique de l'opposition, nous te répondons. Nous te répondons pour nous demander qui est-ce qui invite à faire médiation. Eh bien, là, nous analyser ça, clair, et ça, c'est la position de la fusion des sociodémocrates, là, nous analyser
cadre que Religion pour la paix exposé à là, par rapport à la complexité de la situation, nous ne croyons pas que Religion pour la paix ait des capacités pour mener et pour joindre une solution réelle à problème ça. C'est pour cette raison que nous-mêmes, en tant que sociodémocrates, comme on était dit au départ, que nous ne pouvons pas cracher sous un cadre de négociation pour arriver à faire respecter l'article 134.2 de la Constitution amendée de 87. Donc, à partir de ce moment, mais nous dit que pour nous, en fusion des sociodémocrates, organisation ou bien instance pour gérer question ça, Folta gagne beaucoup plus de puissance qui est capable d'agir en quelque sorte tout pouvoir existant et obliger l'application de l'article 134.2. Et nous-mêmes, nous situer, nous